Salut à tous et bienvenue. Je suis Linklagis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. Aussi bien que moi pour notre nouvel épisode d'aujourd'hui. On se retrouve. Eh bien pour la direction d'un volcan. Et j'avoue que ça me hype un peu, hein, disons-le clairement. Les volcans dans Monster Hunter, on sait quel genre de créature ça veut dire. Et j'avoue que j'aime beaucoup l'idée. Donc, c'est parti. C'est parti, ne perdons pas de temps. Le sentier volcan Terga. J'avoue, je suis très curieux. Ah oui, c'est. Au changement, c'est direct, hein, bite de Dieu. Ah, il fait si chaud, mes moustaches commencent à roussir. Je sais ce qu'un steak à poing ressent maintenant. Tu devrais utiliser la brume fraîche que je t'ai donnée. Personne n'aime l'odeur d'un félide ou d'un rider grillé. Ah, tu dis ça parce que t'es en colère. Du coup. Est-ce que je vais les avoir à la fin? Non, pas à la fin. De la brume, de la brume. De la brume, de la brume. Voilà. Bon, allez, let's go! Bon, bah, du coup, en fait, la question que je me pose, c'est que c'est une nouvelle zone ou. Parce que si c'est une nouvelle zone, ça veut dire on va se faire des grottes. Parce que qui dit nouvelle zone dit nouvelle créature. Ah! Un énorme rocher bloque le passage. Même moi, je fais pas le poids contre de la roche volcanique. Heureusement, je suis toujours préparé contre ce genre de problème. Cette bombe baril féline devrait régler ça. Nom d'un Jaggi, c'est puissant ce truc! Sacrément fabuleux, non? Les bombes barils félines peuvent être fabriquées avec les champignitros qu'on trouve à Terga. Plus besoin de s'inquiéter des rochers sur notre chemin. Essayons de mettre la patte sur quelques champignitros. Eh bah faisons ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens ça, je connais ça. J'ai oublié le nom, mais je connais. Bon, du coup, j'imagine que. Essayer de trouver déjà. Ouais, bon, faut qu'on trouve des barils d'abord. Et Roctor, ouais, voilà, merci. Merci, merci. Alors, Ruby Osef. Des churros, qui dit non? Hop, champignitro. Et bah voilà, champignitro. Du coup, on a une bombe pour l'instant. On va éviter les combats, en tout cas, tant que c'est pas nécessaire. Hop là, deux bombes. Très bien, très bien. De toute façon, on va essayer de dégager un maximum la route, hein, je vous le dis. Je veux dire, je veux bien visiter, mais là. Du coup, donc un passage ici pour un coffre, on va y aller tout de suite. Il y avait un insecte sur la route, mais vu qu'on va revenir, on va s'en occuper. Bon, là, il faut creuser, j'ai pas forcément les bonnes créatures. De toute façon, vous le savez, hein, comme j'ai sur les épisodes. Ah bah, on récupère des nitros, très bien. 5000 de pognon, très bien. Mais oui, comme je disais, les donjons, après moi je fais un petit. Je refais des petits tours dedans avec une autre équipe de monstres qui ont accès à. À dire plus de. Oh, salut. Plus de compétences de. Ah ouais! Oh, cet écart. Plus de compétences de donjons, hein, d'exploration. Mais bon, là on va pas perdre de temps avec ça. On avance. C'est moi où il y avait genre pile poil le nombre pour qu'on puisse avancer là. Bon, pour l'instant que des. Je crois que c'est Bazarios. Putain, j'oublie tout le temps son nom, allez. Je crois que c'est Bazarios Ruby. Ah, la mémoire des noms, hein. Ouais, c'est Bazarios Ruby. C'est bien ça, merci. J'avoue que ouais, il m'a pas tant marqué que ça, donc lui, j'ai du mal à retenir son nom. Bon, on va plutôt passer par la droite. On va faire tout péter. Normalement, j'ai deux barils, donc plus qu'un. On va éviter de marcher sur les insectes pour lancer des combats dont on se fout royalement pour l'instant. Beau avec la licorne. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais.
Oh, du Tigrex. Ok, donc on remonte à deux barils, hein. Très bien. Le Tigrex, on se met pas en plein milieu de la route, s'il vous plaît. Merci bien. Bon, pour l'instant, pas d'autre chemin. Ah, une autre féline. Enfin, un autre féline. On va au moins aller y récupérer le coffre. Oh, il n'y a pas besoin, donc c'est très bien. Salut! Des steaks de gourmet. Très bien. Ça va, Edna? Prête? Alors allons-y. Très bien. Eh ben allons-y, justement. À tout comme a dit. Allez, let's go. On repart. Et on fait péter. C'est-à-dire qu'il m'en reste un, normalement, baril? Tac. Oh. Alors j'ai pas envie de t'affronter, Michel, là. Barre-toi. On est presque au sommet. C'est toujours à ce moment-là que les monstres sortent de nulle part pour nous attaquer. Non, c'est Sherlock. Bon, déjà, est-ce qu'il y a un trou? Pas de trou à l'horizon pour l'instant. Wow. Ouais, mais bon, il y a une cinématique. Ah. Oh. Toi. Donc un ouragan, très bien. Un sapneau Michelin en rapport, j'avoue. C'est tellement ça. Faut faire attention où on met les pieds ici. Alors. C'est parti pour la découverte de l'ouragan. Je le verrais bien taper en force. Je le verrais bien taper en force, ouais. Ok. Allez, le petit buff du Narga. Ok, la lame, c'est non. Aïe! Du coup, la lame, c'est non. Et eh ben, on va tester notre nouvel arc. Ah, vas-y. Ouh, ce crit! du coup, c'est pas l'arc. Hein. Laisse-moi deviner, si tu les pètes pas, c'est terrible. Quelque chose ne va pas, moustache frébisse. L'as rocher. Ouais. Et il fait. Ah, mais je veux pas savoir ça, KV. Je veux le découvrir. Ah, vas-y, on va rechanger la. Peut-être le marteau pour défoncer du caillou. Ok. Vas-y, au moment où je le pète, il en refait un. T'es sérieux là? Donc c'est bien le marteau.
Détonateur, hein, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ton truc là. Saleté. Ah, il est brûlant, on doit le détruire avant qu'il n'explose. Ouais, ben, comme si j'avais eu le temps. Pas se calmer, hein. Bon, on va faire autrement. Parce que là, ça va être compliqué pour le Naraga. On avait dit de l'arc. Ah non, on avait dit pas de l'arc, justement. Bon, bah, tant pis. Pour ce tour-là, c'est foutu. Ok, il est énervé. J'ai bien envie de me faire une ragade de mon côté. bon, Michel est énervé. Il était en force. Bon, ça tapera pas en vitesse. Ouais, je pense qu'il va taper en tech. Je pense qu'il va taper en tech. Si on peut l'empoisonner, ça pourrait être sympa. Donc on a dit pas l'arc. On va juste revérifier. Donc pas d'arc, pas d'arc, pas d'arc. Donc bah du marteau. Hein. En soi, ça m'arrange. J'aime bien mon marteau. Mais non, je suis con. Bah oui, je suis débile. Ouais, je suis débile. J'ai fait de la merde. Si on peut taper là, direct, là, histoire de... Bah ça cassera pas, tant pis. Bombe tourbillon. Aïe. Mais oui, non, mais je dis tape en tech, mais j'ai sorti un tech. Mais non, je suis débile. Eh. Ça fait longtemps que t'as pas vu, petit Orchadat. Ah, sur l'estomac, c'est pas le marteau. Ok. Bon, on va lui démonter, là. Comme ça, moi, ce sera fait. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Ensuite. Ah merde, il s'est calmé. J'ai pas fait attention, il s'est calmé. Cela dit, tu bouffes. Et ensuite, tu bouffes. Ta bombe rocheuse, tu te la gardes. Voilà. Donc il s'est calmé, donc il retape en force, donc on va retaper en vitesse. Et salut Folog. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Oh bah en plus, voilà, allez, on enchaîne. On perd pas de temps, let's go. Et ta bombe rocheuse, tu te la gardes aussi. Non mais... Patate. Falco, punch. Ah, toujours. Ouais, bah en plus la queue a été pétée d'un seul coup, c'est très bien. Ok, il commence à baver, ça m'arrange. Ça veut dire qu'on se rapproche du bout. Ah, pas marteau. Pas marteau, bah en vrai, perforant, je dirais, c'est pas déconnant, mais on va voir.
Bah alors, on n'aime pas l'eau? Ah, essayons de voir le côté positif au moins. On a réussi à s'échapper sans finir en friture. Contente que tout le monde aille bien. Et Orgo aussi. Bon, bah, ça s'est bien passé. Et qui dit nouvelle créature, dit nouvelle armure. Et ça, c'est cool. Je veux dire, si on joue à Monster Hunter, c'est pour voir de nouvelles armures. Hein. C'est uniquement pour ça, voyons. お兄貴。気せしパス。俺のナビはここまでだ。気をつけていけよ、相棒。あ、ouais。昔とは違う。俺には守らないといけない大事な家族がいるんだ。お前にだって大事な相棒がいるからわかるだろ。相棒。 世界の果てまでしっかり見てくるんだぞ、相棒。ああ、兄貴。約束だ。俺もこっちでビッグでグレート。それに、あいや。それにバリバリなアイルーになる。だろ？お前忘れちまってたんじゃなかったのか？ 兄貴、ごめんよ。思い出したんだけど、なかなか言えなくてさ。そうか。俺もビッグでグレートでバリバリなアイルーになるよ。行くぞ、相棒。いろいろありがとう。またな、兄貴。 Allez, Bossanix, ce chemin descend le long du volcan. Noaté n'est pas très loin, je le sens dans mes moustaches. Très bien. Bon, et bien impec. Par contre, ce qu'on va faire, c'est quand même filer un truc à bouffer à notre petit Nargacouga qui s'est pris un sacré taquet dans les dents. Bon, ça, je reviendrai en claquer un à l'occasion. Par contre, je pense pas que j'ai assez de barils pour tout faire péter, là, on est d'accord? Ouais. Pour faire exploser ce rocher avec une bombe féline, tout ça, tout ça. Bon, bah, faudra revenir, c'est pas très grave. Il me manque un. À voir si dans la descente, on réussit à en choper un de plus ou pas. Ça a pas l'air, on va vite fait aller voir par là. De toute façon, il y a du loot. Un coffre bleu en plus. Confrontation. Faudra qu'on regarde ça. Alors. C'est vers quoi ça? Les portes volcaniques. Oh, ça, ça me plaît. Bon. Eh bien, allons-y. Dans quel état? Oh! いるの。待って。
Oh bordel. Bon, à qui appartient cette Raciane? Mais t'es stylé? T'es extrêmement stylé, mon gars! オーナーに取り込んだあの奇妙なやつはモンスターなんだよな。ああ、いっそんぶらい。世界のあちこちで最悪が起きている。あのモンスターがその原因なの。ハンターも初死体もレウスが最悪を呼び寄せてるって信じ込んでた。でもそうじゃなかったんだ。 リリアから聞いたよ。リリアに会ったのか？<笑>あ、初死体の支部に立ち寄ったんだ。君たちを追いかけてほしいと頼まれてね。リリアが俺たちの心配を？オトモンとライダーの絆を知っていたのに、君たちを信じてあげられなかったと。そっか。相棒とレウスの絆を分かってくれたんだな。な。 君たちがレウスと一緒に空を飛んだのを見て、昔を思い出したとも言っていた。俺たちは知っているからな。ライダーとオトモンの絆が奇跡をもたらすことを。奇跡か。そうだな。オトモンはライダーの心の声を聞き、思わぬ力を発揮してくれる。君の心に応えようとして、 レウスは空を飛んだのかもしれないな。あなたはこれからどうするの？ネルギガンテを追っている最中なんだ。ルル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 
Jigo, eh ben, très bien, Kaveh, merci à toi d'être passé, la bonne après-midi et au plaisir. On est enfin sorti du volcan Terga. D'après le boss, on devrait arriver au village Nuaté d'une minute à l'autre. Mais du coup, nouvelle zone? Ou pas du tout? Comment t'as changé la couleur des habits de Edna? Bah parce que c'est des vêtements qu'on m'a donné dans le jeu. Donc voilà, tout simplement. Par contre, elle fait toute petite Tarassia de Michel, hein, je... Attends, t'as une épée, un bouclier, ou t'as quoi, là? Ouais, c'est épée bouclier qu'il a. C'est trop stylé, ce que t'as. C'est... Les vêtements de Edna, là, c'est des vêtements qu'on m'a filé en jeu, donc voilà. Oh, vas-y, Où est le village de Noaté? Je vois un qui ressemble à un village. Par contre, il y a une grotte Goldu! Peut-être qu'on ne peut pas le voir d'ici. Regardons si on trouve quelque chose dans les environs. Alors je vais juste looter ça. Et bah grotte Goldu. Mais! C'est dégueulasse. Ah, bah apparemment c'est en haut. Mais non, je vais redescendre, hein, excusez-moi. Il y a une grotte Goldu! Oh. Très stylé tes tatouages. いくつか見てきました。ですがモンスターが村を潰すために行動するわけがないんです。Mais bon, si on a joué à World, on sait que les nerfs gigantés sont pas là pour rien. 面白いことを言うな、人間。娘、お前たちの言う伝説とやら、自身の目で確かめるがよい。ありがとうございます。だが、伝説のある祠には我々も近寄ることができぬ。あ、プラティックさん。何だって？どういうことだ？失礼いたします。ネルギガンテの姿をベルガ火山で見かけたとの知らせが。あ、まあ、ポートボルカニック、on a vu la zone。祠に近づけぬ理由とはそういうこと。我々はモンスターと戦を交えることを良しとせぬのでな。俺たちに任せてもらえませんか。見させてもらおう。どうする、娘。
彼についていきます。ユムラナ様、よろしいので。ユムラナ、d'accord。起きるがままにするが寛容としてきたが、見つめ直す時が来たのかもしれぬ。見つめ直す時。我々の地にいたレウスが姿を消したのだ。まさか、あの時のレウスの亡骸が。このままではレウスも浮かばれぬ。お前たちの求めるものを確かめてみたいと思ってな。村に来るがよい。ベルガ火山までの道を教えよう。Ben, j'ai déjà vu en fait comment y aller. Mais j'aimerais ne pas rentrer dans le village parce que ça va faire dépop la grotte Goldu qu'on a vue et ce serait un peu chiant. Et du coup, c'est terrible. C'est très chiant en effet. Putain. Vas-y là. Ah, c'est relou. Ma, sa petit chat qui fait du sport. Mais c'est très joli par contre. Très très cool comme endroit. Je vais vous préparer une chambre. Vous pouvez également utiliser nos écuries si vous le souhaitez. Une nargue gigantée a été aperçue près des portes volcaniques. Vous devriez commencer vos recherches là-bas. Ok, Ren est là pour assurer nos arrières. Allons aux portes volcaniques. Et bah très bien. La mort en maraude. Quand vous atteignez Nuaté, un village très secret, la doyenne du village, Yumlana, vous indique l'emplacement du monument. Un air giganté apparaît comme pour vous empêcher de découvrir la vérité. Revoir ce monstre fait remonter chez Edna le douloureux souvenir de la mort de Red. Mais du coup, eh bien c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, vous le savez sur YouTube si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, la commenter, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, portez-vous bien, et que la Fonk soit avec vous. Ciao, ciao.